Je vais inviter les tout petits, on les acclame encore. Vous savez, il y a quelques années, il y a 5 ans ou 6 ans, je me suis posé des questions. Ça fait plus de 30 et quelques années que je suis dans cette industrie de la musique, mais on a tout fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu m'a inspiré les 3 générations. C'est ça que nous vivons ce soir. Ces 3 générations nous font du bien. Et les enfants, ils sont là? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Et je vous encourage. Et vous savez, dernièrement, on était à Kinshasa. Et mon épouse, elle est là, elle est où? Elle travaille tellement. Mais vous la verrez tout à l'heure. Vous savez, on s'occupe de beaucoup, tout ce qui est œuvre humanitaire. On travaille pour Haïti. Ça fait plusieurs années depuis les tremblements de terre. Ça fait au moins plus de 10 ans que nous sommes là-bas. Et là, Dieu nous a mis à cœur de construire un centre médical à Kinshasa. Et ce centre médical, tout ce que nous faisons comme humanitaire, c'est avec nos propres fonds, des concerts, des albums. Lorsque tu achètes un CD, on envoie l'argent. Et puis nous-mêmes, on est des gens de terrain. Donc, on est en train de construire un centre médical. Il y a 3 semaines, j'étais avec elle en tournée au Congo. Et je suis passé dans un coin là où nous sommes en train de construire. J'ai vu un dispensaire maternité qui n'avait pas de fenêtres ni de portes. J'ai dit à mon épouse, les pauvres bébés, avec des moustiques, mais les bébés sont là, ils naissent là-dedans. Moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes de grand cœur ce soir. On peut faire quelque chose. Lorsque vous voyez des hommes qui s'élèvent, qui aident, soutenez-le. Et surtout, je vous dis, les artistes, ils ont un grand cœur. Je vais citer quelques-uns. Vous voyez, quand on parle de Madonna, on parle des autres artistes. Ils font beaucoup d'actions parce qu'ils aiment le public. Un artiste, lorsqu'il donne, il donne vraiment de tout son cœur. Donc, si tu es là, tu as un grand cœur ce soir, à la fin, cherchez à nous voir. Et puis, mon épouse va laisser des papiers pour que vous écriviez vos numéros de téléphone. On pourra vous communiquer tout ce que nous faisons, des moments comme ça. Et si tu as beaucoup d'argent, que tu penses, tu ne vois pas quoi en faire, amenez-nous cet argent. Mais oui! J'ai vu un milliardaire, il a fait enterrer une limousine, je ne sais pas quoi, là, avant sa mort. Il dit que non, ça me précède. Mais attends, quel gaspillage. Oh, dans les séjours de mort, il n'y a plus de souvenirs. Allez dans un cimetière, vous allez voir, c'est mort. C'est pour ça qu'on dit mort, c'est mort. Mais quand tu es vivant, soutenez le vivant. Et ce soir, je suis fier de vous. On est fier de vous. On ne savait même pas qu'il y aura tout ce monde parce qu'on a eu tellement du mal à... Vous savez, 15 septembre, ce n'est pas évident. La rentrée scolaire, les enfants, l'école, mais on savait que vous êtes fidèles. C'est pour cela que nous sommes là. Je vois mes amis de la ville, Bertrand qui est là. Je vois les seniors, je vois le pasteur Luc qui est venu de très loin. Mon pasteur Aloïse qui est venu de très loin, Papa Waiwai, il y a beaucoup de personnes, Mireille, Bastiroi, je vois tout le monde, mais ça nous fait vraiment plaisir. Je vois les pasteurs Julien, tout le monde, merci beaucoup. On va continuer la fête, j'ai envie de dormir ici, mais bon, comme on doit libérer la salle. Donc ce soir, passez vraiment des bons moments. Excusez-nous si la musique est un peu trop forte parce que c'est plus fort que nous. Parfois, c'est des jeunes, hein? Des jeunes, il faut toujours être derrière. Mais ces enfants ont travaillé vraiment dur. Benit Meng vient. Vous voyez toute cette équipe-là? C'est Benit qui est la directrice générale de cette équipe. Je suis fier de toi, Benit. Je ne sais même pas comment elle a fait. Je lui ai dit, Benit, j'ai besoin de 100 choristes. Et je lui ai dit, il y a autre chose qui t'attend. La prochaine manifestation, 300 choristes. Mais le podium est trop petit. Donc, on va trouver une salle plus grande. Par la foi, on le fera. Je suis entre 2 avions. Elle, c'est elle qui a fait tout ce travail. Et ses enfants, ils sont venus de 4 coins de la Belgique. Il y en a qui sont venus d'Anguin, de Mons, de Leuze. Voilà, des Liège,
Wow. Je vous aime. On les acclame très fort. Elle est où, Joël? Joël Bibois, elle est où? Viens. Elle m'a dit tantôt, papa, j'ai pas de voix, mais on va piquer quand même. On va le chanter. Elle chante vraiment comme au pays. Tu vas donner aujourd'hui.
Merci, Joël.